Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Wulsu de Tomb Raider 2 sur PC. Donc aujourd'hui deuxième niveau de ce chapitre tibétain, le monastère de Barkang. Alors, un niveau très dur. Un des niveaux les plus durs du jeu hein, avec l'opéra hein, et un autre niveau qu'on a toujours pas fait, hein, qu'on fera bien évidemment un peu plus tard. Alors là, ça commence bien. Vous avez vu un petit affrontement entre les hommes de Bartoli, pardon, et les moines tibétains. Pourquoi Bartoli? Je sais pas d'où ça vient, ça. Je sais pas pourquoi. Alors, le gros conseil que je peux vous donner dans ce niveau, l'énorme conseil, c'est même pas un conseil, c'est une obligation, ne touchez à, j'ai dit, ne touchez pas un cheveu des moines. Enfin, vu qu'ils sont tous chauves, donc c'est un peu déplacé. Touchez pas les moines, voilà, c'est le seul truc que je peux vous conseiller, vous ordonner à la limite, c'est de ne pas toucher les moines, pour la simple et bonne raison que si vous en touchez un, vous allez devoir vous taper tous les moines à affronter. Parce que disons qu'ils le prennent un peu mal, hein, et voilà, donc du coup ils vous tuent. Ça c'est pas cool. Les moines ça représente quand même la moitié des ennemis. Et vu le nombre d'ennemis que l'on a dans ce niveau-là, je vous conseille pas. Franchement, je vous conseille vraiment pas de les tuer. Alors, j'ai cassé une vitre, j'ai pas fait exprès. De toute façon, je devais la casser, mais bon. Là, pour une fois, j'ai pas fait exprès de casser une vitre. On va se raccrocher ici. On va y aller de toute façon hein, vers la vitre hein, qui s'est brisée. Alors, un niveau qui est très dur, comme je vous l'ai dit, très très labyrinthique, énormément d'objets à récupérer, énormément de salles. Il y a tellement de choses, tellement de pièges, tellement de tout que vous allez voir que le jeu va en finir par bugger. C'est version PC. Hein. Sur la version PS1, je n'ai pas le souvenir. Après, je me souvenais plus que l'on ne pouvait pas grimper sur la table. Voilà, il y a tellement de choses à afficher que il y a un moment où le jeu n'arrivera même plus à suivre. Donc, il faut lui laisser le temps, hein, le pauvre. Hein. Parce que là, je sais pas du tout ce qui est passé par la tête des développeurs. Ils se sont dit, voilà, on va faire un super niveau, parce que ça, c'est vraiment un super niveau. Hein. Un gigantesque niveau, quoi. Hein. Je pense que c'est vraiment un des niveaux les plus vastes hein, de la série Core Design. J'essaie de réfléchir. Bon, ça doit être vraiment un des niveaux les plus vastes. Je vais essayer de pas me perdre. C'est pas gagné. Disons que, en fait, le niveau, je le connais relativement bien. Par contre, je serais pas foutu de vous dire quelle clé ouvre quelle porte, en fait. Parce que, disons que j'ai tellement l'habitude de faire ce cheminement-là que, en fin de compte, j'ai un peu oublié qui ouvrait quoi. Donc, on va essayer de découvrir ça ensemble. Par contre, les pièges à la con, ça, je les ai pas oubliés. Hein. Les boules, hein, les portes qui se referment hein, sur nous. On va enfin les retrouver, on les avait perdus de vue. On en avait dans Tomb Raider 1. On en avait beaucoup dans Tomb Raider 1. On en avait trop dans Tomb Raider 1. Et là, on en a encore énormément. On va retrouver un peu d'eau aussi, hein, sauf que cette fois-ci, une très belle eau. Hein. Pas l'eau toute cagneuse là de l'épave. J'aime bien ce genre de salle, c'est très clair. Alors là, par contre, on est attiré par le courant, donc on va devoir essayer de s'en dégager. C'est pas facile, parce que là, je pense que je vais être un peu grillé là, non? Allez, on va essayer. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. On est obligé là d'être pris là dans le courant, malheureusement. Je vous rappelle quand même que la chute que l'on vient de faire, on va devoir y remonter quand même, hein, avec une échelle. Ça va nous prendre du temps. Énormément de temps. Alors, ça commence bien hein, cette salle. Parce que là, il y a beaucoup de pièges. Ces portes-là, je vous rappelle, hein, si vous faites. Si vous touchez. Même si vous touchez la porte alors qu'elle est encore fermée, vous mourrez. Donc, méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous. Donc, on a fait une petite chute. Maintenant, on va devoir regrimper tout en haut. Et oui, c'est ça qui est cool. Enfin, le moment, on est. On va pas encore grimper là, on doit être à la moitié. On va aussi grimper avec une petite pente, donc ça c'est plutôt sympa. Là, il y a encore un ennemi. Je vais laisser se débrouiller.
Par contre, voilà, si je peux mettre quelques balles de temps en temps, je le ferai, mais je me fais pas confiance, donc du coup, je vais quand même. Ah merde, il s'est fait tuer ce con. Bon, bah celui-là, il est pas doué, hein. Alors, s'il meurt, hein, mais pas de ma faute, je ne crains rien. Hein. Encore, parce que sinon, là, ça serait un peu. Là, ça serait fort. Alors, lui, vous avez vu, il fait un balayage avec son arme. Alors, lui, il se fait plaisir. On va se le faire. Voilà. Je sais même pas où il est mort d'ailleurs. Ah, il est mort dans le mur carrément. Ok. C'est un. Oui, c'est une méthode de mourir. Hein. On va récupérer cet objet. Avant de le récupérer, on va faire la première sauvegarde de ce niveau. Ah oui, là je vous promets des sauvegardes dans ce niveau-là. Parce que bon. Voilà, déjà quand on voit qu'il y a du feu. Alors cette demi-là me donnait un objet, il me semble. Mais comme il vient de finir dans le mur, pas me donner grand-chose, hein, ce couillon. Donc voilà, ça fait peut-être un objet perdu. Mais je crois que non. Non, non. Parce que généralement, quand des ennemis finissent dans le mur, les objets finissent à peu près au bord du mur. Donc on peut toujours les récupérer. Donc je crois qu'il ne me laissait rien. Je suis pas sûr. Je sais que pratiquement tous les ennemis de ce niveau laissent quelque chose. Ouais, je crois qu'il est sérieux, hein, celui-là. On va réfléchir. Il devait pas laisser grand-chose. Bon, soit. Là, on retombe, donc. Vous allez voir, on va juste retomber là où on avait. Là, on avait la boule. Alors, j'essaie de réfléchir. Je me demande où est-ce que je dois aller maintenant. Parce que là, il y a tellement de zones. En fait, on peut. Il y a quelques zones que l'on peut faire un peu dans l'ordre que l'on veut. Hein. On n'est pas obligé de suivre fidèlement mon parcours. Voilà, là on va revenir donc dans la grande zone. Là on n'a plus rien à faire ici. Hein. Donc là, cette zone est terminée. On a tout récupéré. Même en haut d'ailleurs. On a récupéré la clé. On a récupéré même là l'objet cylindrique. En fait, on doit récupérer 3 pour ouvrir une porte qui se trouve là dans la zone principale pour pouvoir finir le niveau. Voilà, donc en fait, c'est l'objectif hein, de ce niveau-là, c'est de récupérer tout ça. Mais bon, ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile hein, là, pour le coup. La clé que j'ai récupérée, je crois que ça vaut ça. Voilà. La clé du hall principal. Il doit y avoir encore des ennemis ici. Hein. Je suis pas sûr. Pour le moment, on va les laisser tranquilles. On va aller là. Là, par contre, on a toujours autant de pièges. Hein. Ici, on récupère une petite clé. C'était très limite là ce que je viens de faire. Donc là on a absolument. On n'a rien ici. Hein. Là je peux vous montrer là derrière on a une salle. On ira tout à l'heure. Très rare que je me fasse pas toucher là. C'est bizarre. Il y a sans doute un bug là parce que là je me suis pas fait toucher. C'est bon. Admettons. Hein? Admettons. Donc on a récupéré une clé en or. À droite on a une serrure qui ne s'ouvre pas. En face on a une porte qui ne s'ouvre pas. Hein, voilà, ça ne s'ouvre pas tout ça. On a un ennemi qui s'est fait tuer ici apparemment. Alors, il y a encore un ennemi hein, là dans la zone il me semble. Donc je viens de là. Enfin je viens de là de la droite quoi. Voilà, là il y a un ennemi ici. Je préfère le tuer avant qu'eux arrivent, hein, avant qu'ils s'en mêlent, parce que sinon ils vont foutre un bordel monstre. Je me rends compte que j'aurais peut-être pu partir directement là-bas sur la droite avant de continuer ici. Bon, soit, attends,
On va continuer par là. Donc là, on a juste une petite clé à récupérer. Alors que je regarde un peu la clé que j'ai récupérée. D'accord, c'est celle-là. Parce qu'en fait, il y a une clé que je connais, hein, je sais à quoi elle ressemble. C'est la seule, en fait, donc du coup, je me repère avec celle-là. Donc on va aller ici, là, il y a une porte à ouvrir avec la clé que je viens de récupérer. Ah là là, j'adore tous ces pièges. C'est l'ironie, hein, bien évidemment. On va continuer ici. Et on va récupérer les objets clés hein, dans cet endroit-là. Là, on n'a rien à récupérer, hein, il me semble. À part là, le levier qui me permet donc de couper le feu. C'est bien dans ce niveau, c'est qu'en fait on voyage partout. Hein. On est voilà, au-dessus hein, du temple, hein. On est en dessous, enfin, c'est partout. C'est, voilà, c'est... On tourne un peu dans tous les sens, hein, ce temple. Alors là, n'ayez pas peur, le feu ne revient pas. Tant mieux, parce que sinon, là, ça serait vraiment traître. Très traître. Trop traître, d'ailleurs. Hein, donc, voilà. On va les laisser se friter ensemble. Nous, on va juste grimper. On va récupérer les munitions de M16. Ensuite, je prendrai le vainqueur. Voilà, je ne sais pas du tout qui va gagner. Petite préférence, quand même, pour les moines. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont gagné, parce que là, je viens de voir qu'il y avait un mec... Il y avait un mec à terre, ici. Alors, est-ce qu'il me laisse des choses? Oui. Une petite rousse de soin, ça c'est sympa. On va te laisser tomber ici, hein, vous savez quoi. Donc là, on est juste à l'endroit de tout à l'heure avec les... avec les lames. Où j'ai pas pris de dégâts. Exceptionnellement. C'est très bizarre. Mais j'ai pas pris de dégâts. J'avoue que je suis plutôt fier de moi, là, pour le coup. Donc là, on a récupéré ces deux objets. On va devoir les mettre dans deux serrures différentes. En fait, il y a une qui sert maintenant, une qui servira un peu plus tard. C'est pour ça que c'est assez traître, en fait, ce niveau. Parce que, voilà, ce niveau, enfin... On récupère des objets, on serait peut-être tenté de penser que, eh bien, effectivement, on va les utiliser dans la même zone. En fait, non. On en récupère deux gemmes. Mais elles ont absolument aucun rapport. Voilà. Et on les récupère ensemble. Ça, j'avoue que je n'ai pas trop bien compris, là, pour le coup. Ici, un petit bloc. On va le tirer deux fois. Pas une, mais deux. En même temps, j'ai pas le choix. Je vais le tirer. Parce que si je le repousse, dans un sens, ça n'a aucun sens. Parce que je peux pas le pousser plus. Et si je le retire pour le repousser, ça sert à rien. Je reviens à zéro et c'est complètement con. Donc voilà, on le tire deux fois. Et on récupère... le deuxième objet, donc il en reste encore un à récupérer, et bien évidemment le troisième ce sera le plus long, hein, parce que généralement celui-là je le récupère vers la fin, c'est celui que j'ai récupéré en dernier. Bon, là je suis allé maintenant, bon c'est un choix, hein. Faut dire aussi que je me suis un peu trompé en fait, parce que je pensais y aller après ici. Alors ce piège-là, il est vraiment traître. Hein. Je l'aime pas ce piège, donc j'essaye au maximum de l'éviter. Vous avez vu, il y a énormément d'ennemis. Regardez, il y a un mec qui vient d'apparaître. Enfin, le jeu n'arrive pas à tout faire apparaître. Donc du coup, bah, il les fait apparaître un peu comme il peut. Donc voilà, c'est, il a pas le choix, le pauvre. Hein. Il est obligé de faire ça. J'espère vraiment là que je vais au bon endroit. J'avoue, ça serait un peu stupide d'aller au mauvais endroit. On verra bien où on tourne. Hein. Ouais, alors on va là. Bon, vous savez quoi, on va faire hein, cette zone-là. Je comptais la faire après, mais on va la faire maintenant. Au moins, c'est fait. On a un objet à récupérer là-bas. Je vous dis, on est assez libre hein, dans ce niveau, hein, donc ça, c'est plutôt cool. On peut faire à peu près
peu près tout ce qu'on veut. On peut mettre la gemme en fait, hein, tout simplement. Bon, le problème c'est que maintenant ça n'a absolument aucune logique ce que je fais. C'est qu'en fait là je vais là pour aller mettre la gemme, alors que je vais pas du tout aller à l'endroit qui va être ouvert. Donc du coup c'est un peu couillon là pour le coup, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà, donc ça nous ouvre une trappe qui trouve en fait en dessous là de la statue. Je vais pas y aller maintenant parce que voilà, c'est un peu con. Là par contre il faut que je me laisse retomber ici. Alors on va se ragripper. Regardez là, on a juste le trésor d'or. Alors est-ce que j'ai assez de vie par contre? Ouais, ça va, j'ai assez de vie. Voilà, moi tout ce que je voulais c'était juste retomber là pour pas perdre de vie. Bon, en fin de compte, je suis en train de réfléchir et je me dis que c'était pas forcément une si mauvaise chose parce que bon, en fait je voulais aller là sur la gauche. Je me suis trompé de chemin en fait, hein, je pensais en fait que l'on allait aller là. En fait non. On va faire une petite save parce que là j'ai eu beaucoup de chance et je me suis pas perdu. Alors je suis en train de réfléchir quand même au temps que j'ai fait quand j'ai fait ce jeu la première fois. Je pense que j'ai dû mettre quelques heures pour finir ce niveau, sans mentir. Hein. Faudrait que je trouve quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, qui a fait ce niveau-là il n'y a pas longtemps pour me dire combien de temps il a mis pour finir ce niveau-là. Parce que c'est tellement. Il y a tellement de choses à faire que. Ça en devient. On devient des vite absurdes quoi. Là, on va suivre là le piège parce qu'en fait, on a un petit couloir là-bas. Voilà. Avec un petit piège. Bah oui, sinon ça serait pas drôle, hein. Avec surtout le secret de jade. Il nous reste encore le secret d'argent hein, à récupérer. Bientôt le récupérer, ne vous inquiétez pas. Par contre. Ouh là là, c'était chaud là ce que je viens de faire. Hein. Même stupide d'ailleurs. Voilà, on va tomber dans le trou, pas prendre de risques. Je pense que j'étais très limite là pour venir là-bas. On va attendre qu'il reparte, on savait quoi. Voilà, bon, je peux aller ici. Je peux récupérer cette clé. Bon, cette clé va me permettre d'ouvrir une porte qui se trouve dans le hall en fait. C'est la dernière CE là, qui me manque. On va ici. Un petit saut de temps, voilà, pour la grâce. Donc ça, cette salle, faut vraiment le faire maintenant parce que on va l'enlever après l'eau ici. Et c'est quand même conseillé de récupérer ici le troisième. Et dernier secret avec 4 items de munitions là pour le M16, c'est sympa. Alors secret, on peut le récupérer dès le début du jeu, hein. Dès le début du niveau pardon, parce que là vous allez voir que en fait il n'y a aucune porte hein, qui nous restreint l'accès à cette salle, parce qu'en fait on revient juste là, tout simplement. Par contre il y a eu des morts ici, hein. Alors moi je récupère, voilà, je suis un peu le vautour, voilà, moi je récupère sur les cadavres. Ah mais quand même, c'est. Il y a eu un beau massacre. Des munitions, donc de Uzi. Et avant d'aller vers cette fameuse porte, on va aller ici. Et on va aller récupérer des objets, des munitions. Et évidemment, on va continuer hein, le niveau. Alors ça, c'est pas du tout obligatoire, hein, là, ce que je vais faire. Je suis peur, je pense que c'est un ennemi. Ça va, c'est juste un moine. J'aimerais bien pouvoir avancer aussi simplement qu'eux. Ah, malheureusement, ces saloperies me bloquent un peu le passage. Donc là, faut vraiment pousser les blocs de la même façon que moi, parce que sinon, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Donc on tire celui-là. Parce qu'en fait, on va devoir bouger celui qui se trouve en haut. Et en dessous, on a des. On a des munitions de harpon. Alors, ça sert absolument à rien de les récupérer, les munitions de harpon. Mais bon, c'est un wulsu. On essaie quand même de récupérer tous les objets. Hein. Alors,
J'ai sans doute dû en oublier quelques-uns comme d'habitude, hein, ça arrive, mais bon voilà, j'ai quand même essayé d'en. Je pense que j'ai quand même réussi à en prendre le maximum. Hein. Je me suis pas perdu, c'est déjà ça, dans ce niveau, parce que. Ce genre de niveau, même si on le connaît par cœur, on finit toujours par se perdre au moins une fois. On va re-sauvegarder parce que le passage avec les pièges était plutôt chaud. Voilà, par contre, faut se méfier ici. Voilà, petit piège. Faut pas tomber ici parce que ça fait très mal si on tombe. On va continuer. On va continuer là. Alors là, par contre, il y a énormément d'ennemis ici. Hein. Donc, vous savez quoi? Déjà, je sais pas du tout contre qui ils se battent. Ah, mais ils sont en train de se faire tirer dessus, c'est con. D'accord, je comprends pourquoi ils font des têtes comme ça. On va prendre une petite trousse ici. Ils vont aller se battre, hein, bien sagement, dans la joie et la bonne humeur. Moi, je prendrai le vainqueur, vous savez quoi? Je vais grimper au sommet. Et je vais aller récupérer encore un autre là de ces rouleaux. Parce qu'il y en a encore tout en haut. C'est pas le dernier. Hein. Il y en a encore un à récupérer. Après celui-là. Voire même deux. Oh, ouais, il y en a encore deux à récupérer. Ah oui, il y en a. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a énormément. J'aimerais bien quand même avoir un plan de ce niveau pour savoir où je suis, pour savoir en fait la grandeur du niveau. Parce que vous avez vu, c'est extrêmement vaste, quoi. On se balade un peu partout, c'est. Ouais, franchement, d'être un des niveaux les plus vastes. Hein. Y a un niveau qui est aussi très long là, un peu plus tard. On va avoir un niveau. Je sens bien que, quand même que je conjugue un peu mes verbes là de la bonne manière. Il y a un niveau aussi long dans la durée là, dans cette aventure. Qu'on fera un peu plus tard là dans le prochain chapitre, mais il est beaucoup moins vaste parce qu'en fait on fait beaucoup d'allers-retours, on reste souvent là dans la même zone. Là par contre, c'est en voyage quoi. Ouais, alors là par contre, où sont mes amis? Je ne sais pas. Alors, je vais devoir tous me les faire, c'est super, ils m'ont abandonné les moines. Ah, ouais, mais d'accord, ils sont tous là, quoi. D'accord, en fait, d'accord. Ok, d'accord, tout va bien, oui, bien sûr. Ils m'ont laissé tout seul. Ils sont pas tous morts, quand même, non? Ce serait con, là, pour le coup. On va aller voir, mais. Non, 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 ils sont pas tous morts quand même, ça serait débile là. Ou alors ils sont tous barrés. Et des hommes de. Ah, bah si. Il y en a un qui est mort là. Il y en a qui est mort. D'accord, en fait ils sont tous morts. Ok, d'accord, tout va bien. D'accord, j'ai rien dit, hein. Donc là ça nous ramène juste hein, dans la salle derrière, parce qu'en fait on est juste renu sur nos pas. Ok, ils sont tous fait buter. Bon, admettons. J'aurais peut-être dû un peu les aider là. Je me sens un peu coupable là pour le coup. C'est triste. J'ai un peu perdu de la vie quand même. Parce que vous avez vu hein, quand on se fait quand même 2-3 ennemis armés dans ton R2. Bon ben voilà quoi, à la fin ça pique hein. Ça pique vraiment. Alors ils ne m'ont pas tué là d'ennemis hein, depuis tout à l'heure. Bon, tant pis. On a récupéré une clé. On va la mettre là. Je rappelle qu'il y a toujours une trappe que l'on a ouverte tout à l'heure. On n'est pas allé encore. On ira tout à l'heure. Bon, d'abord, je vais aller là. Parce que j'aime bien cet endroit. Là, on peut ouvrir la porte qui va me. Va me ramener là dans le hall. Alors ils vont se débrouiller, hein. Ils vont se débrouiller sans moi. J'aurais peut-être pas dû ouvrir la porte en fait, parce que là je pense que ça va juste me ramener
peu plus d'embrouille. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie là, je sais pas, on verra bien. Je vais peut-être un peu garder l'Uzi en fait. Ouais, c'est peut-être une bonne chose là de garder l'Uzi. Où est-ce que je suis là? Je suis tombé, j'ai fait une petite chute. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Je comprends pas en fait, là il y a un trou. Parce que tout à l'heure on va. Enfin, tout à l'heure, dans 30 secondes quoi. On va être là à l'étage. Et vu qu'on peut tomber, eh bien ces cons nous ont mis des fosses. Des petits fossés. Au moins si on tombe, on se loupe pas. Si on tombe, on meurt. Hein. Parce que là, je pense que si on tombe de la surface où on était tout à l'heure, on meurt pas. Hein. On n'est pas assez haut pour crever. Vous voyez quand même là l'esprit tordu de ces développeurs, c'est ignoble quoi. Hein. J'aimerais bien juste descendre. Voilà, comme ça. Ah, mais en fait non, je pouvais descendre. Vous pouvez descendre normalement. D'accord, ça j'en souvenais plus. Je pensais que je pensais qu'il fallait un peu descendre un peu en biais. Il a failli me faire tomber celui-là. Je vais devoir encore prendre une trousse, et oui, malheureusement. Mais bon, j'en ai pas mal, hein, vous savez quoi. On va pas se priver, hein. Encore 11 grandes trousses. Il y a de quoi faire. Alors, ouais, j'ai failli lui tirer dessus là au moine. J'ai eu de la chance. Il a eu de la chance surtout, hein, parce que j'aurais pu le tuer. Mais il va me servir. Il va me servir. Déjà à condition que je réussisse ce saut à la con. Ah, il est pas facile ce saut. Voilà. Parce qu'en fait, quand on va récupérer le parchemin, on va encore avoir des ennemis. Et oui, je sais. Donc il a intérêt à se battre, hein. Parce que là, je sens que je vais un peu galérer, parce que vous voyez, il y en a pas mal. Alors, est-ce que j'interviens? Pour le moment, je vais pas intervenir, vous savez quoi? Je vais essayer de se débrouiller. Parce que vous avez vu, Lara Croft vise un peu aléatoirement. Ah bah tiens, il s'est fait tuer ce con. Bon bah voilà, maintenant je peux intervenir. Hein. Je peux récupérer les oreilles qu'il me laisse. Et il ne me laisse absolument. Ah si 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 mais les émissions de fusil à pompe. C'est pour ça que ça me paraissait un peu bizarre, parce que ouais les ennemis là franchement sont pas radins du tout hein, dans ce passage là. Il reste relativement pas mal de munitions. Alors, on va essayer de descendre là bien sagement. On va reprendre l'échelle. Condition de grimper là-dessus. Ça c'est vraiment chiant par contre là quand on doit grimper sur des échelles comme ça. Bon là j'ai réussi mais généralement non, généralement ça marche pas. Surtout en vidéo, bizarrement d'ailleurs. Allez comprendre pourquoi, ça ne marche pas. Donc là j'ai eu quand même pas mal de chance. J'ai encore un ennemi là-bas. Ouh, il y a eu un petit affront. Ils étaient pas là tout à l'heure ceux-là, non? J'ai pas le souvenir en tout cas. S'il y a des objets. Non, non, ils étaient pas là, ils ont dû se faire. Ils ont dû se battre hein, tout à l'heure, parce qu'ils étaient pas là, ceux-là. Parce que j'ai ouvert la porte. Hein. Donc ils ont dû venir sur ma position. Et les moines se sont bien battus. Ça fait plaisir. Ah, par contre, je vais quand même récupérer la grande trousse, parce que. Et même la petite trousse d'ailleurs. Regardez, c'est tellement bugué que les ennemis apparaissent au fur et à mesure, c'est n'importe quoi. Allez, donne-moi 10 munitions.
de Magnum. Alors je vous rappelle que l'on a encore une salle à visiter. Et oui, la dernière salle qui se trouve en bas. Par contre, la statue est un peu dégueulasse quand même, hein. C'est vraiment sale. Heureusement que c'est pas timé quand même en bas la grille. Parce que sinon là, j'aurais l'air quand même un peu con. Parce que j'aurais dû remonter là tout en haut là pour rouvrir la grille. J'avoue que ça m'aurait un peu fait mal. Donc là, on revient tout simplement juste en face là de la salle avec. De la salle avec l'eau. On a récupéré le secret. Donc vaut mieux l'avoir récupéré maintenant le secret. Hein. Vous savez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va couper l'eau. Regardez comme l'eau vient de là. Une petite cascade. Hein. C'est pas fait chier là pour le coup. Voilà, ça coupe l'eau. De manière instantanée. Voilà, par contre, voilà, on se raccroche. Et il n'y a plus d'eau. Voilà, l'eau est vidée. Hein, la salle est vide. Ah, ils font pas les choses à moitié quand même. C'est instantané. Hein, au début, il y a du niveau quand même. Hein. Voilà, tout ça pour pouvoir pousser ce bloc et nous permettre de récupérer le dernier artefact. Voilà, donc maintenant on va pouvoir remonter là par cette échelle, je crois que c'est ça la échelle, hein. Remonter par l'échelle et revenir dans la salle dans la salle principale pour aller mettre enfin tous ces objets. Ça nous aura pris du temps. Énormément de temps, mais ça va, ça sera. Bah, par contre, lui, s'il me fait tomber, non, je serais pas d'accord. Alors bien évidemment, si on enlève le bloc, il me semble que l'eau revient. Hein. En même temps, il n'y a pas de chance, enfin, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne revienne pas. Donc, à la limite, on peut toujours revenir rechercher le secret. Vous avez vu, on a vraiment, enfin, on a fait 2 mètres, quoi. Hein. Là, on va revenir dans la salle. Donc là, on est revenu dans la salle, dans le hall, et on va aller dans cette petite salle où l'on va mettre donc nos 5. Rouleau de prière, voilà. Je suis en train de chercher le nom. Il me semble que c'est ça, hein, rouleau de prière. Bah, prière, ouais, bon, c'est surtout comme ça. Et bien évidemment, quand on aura mis les 5, la porte s'ouvrira. Ça aurait été sympa quand même, parce qu'ils nous ont pas fait chercher tous les rouleaux de prière. Hein. Il y en a quand même quelques-uns qui étaient déjà mis de base. J'avoue que si on aurait dû chercher les. Il y en a quand même une. Il y a 12 non en tout. Combien il y en a? 3. Enfin, j'ai la flemme de compter. Enfin voilà, il y en a plus de 10. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et bon. Si on aurait dû tous les chercher. Si bien vous avouez, ça m'aurait un peu fait mal. Ici, on met le fameux séraphe. Qui nous ouvre la porte juste à droite. Et qui marque donc la fin de ce niveau en 33 minutes et 44 secondes. Voilà, donc on a fait 90 chemins, hein. Vous avez eu 4,18 km parcourus, 15 ennemis tués. Bon, bah oui, évidemment, j'en ai laissé quand même pas mal aux moines, hein. 2,5 trous utilisés et 496 munitions utilisées. Donc voilà pour ce niveau, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou même à partager la vidéo si vous aimez. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour la suite du Wusu de Tomb Raider 2. Allez, ciao!